Salut les riders, salut les rideuses. Non, je déconne. J'espère que ça va, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Ça c'est moi, ça, d'accord. Et vous reconnaissez, il a la même voix en vrai qu'en vidéo. Salut. Bah c'est lui. Bon, et puis je suis pas venu tout seul, hein. C'est mon poulain, c'est mon poulain. VTTXC avec Bobotte. Bon, il m'accompagne dans ce périple parce que je flippe un peu là. Ils vont me prêter ce petit vélo là. J'espère que je vais pas trop kiffer. Parce que ça fait quelques fois que j'essaye d'autres vélos que le mien. Et je suis en train de kiffer d'autres vélos. Mais mon vélo n'a pas 8 mois. Endurobike là, regarde, ils sont chauds pour faire leur intro là. Allez, on est chaud. C'est du spectacle. Ah, je suis en train de vivre un petit spectacle. Bon, ouais, c'est parti. Donc le vélo est une petite tuerie déjà, je vous le dis tout de suite. Ah, la fourche, elle encaisse grave. Et dans le tas, il y en a forcément un qui va nous reconnaître. Attention, allez, regardez bien, on va tenter le allez. Truc. Bonjour. 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 On est filmé. Ouais. Bonjour. Bonjour. Sourire. Non, personne. Ils sont trop vieux pour regarder YouTube. Oh, on va se calmer, déjà. Eh, hey, mollo. Allez, vas-y. Oh, qu'est-ce que c'est un mec de XC? On est en enduro. Ça monte aussi. En tout cas, on le fait sur le vélo. Je vous ai pas expliqué pourquoi on était là. On n'est pas venu pour rouler roue dans roue, main dans la main, avec une fleur dans la bouche, tu vois ce que je veux dire? On est venu là pour envoyer du lourd. Tu es venu là pour envoyer du lourd? Ouais, enfin je... Moi, je vais tenter de te suivre. Oh, là, il dit ça. Il dit ça, il va me mettre la misère. Et ça va être dans la boîte ici, là. Et après, ce sera moi le con de l'histoire. On va faire 3 spéciales chronométrées. Les mecs, taki walkie, tout le bordel, on est organisé, c'est ouf. Eh hey Jeff, tu vas te faire caca dessus, mec. Merci. Bon putain, ils sont en train de me mettre la pression depuis tout à l'heure, départ arrêté, chronométré, il y a des caméramans sur le parcours, c'est ouf, j'ai l'impression de vivre un truc où je suis pas à ma place, tu vois, j'ai l'impression que c'est trop là, c'est beaucoup trop. Quoi? Pourquoi? Non, ça va pas du tout. Pourquoi? Non, ça va pas du tout. Tout de suite. Non, hey, c'est quoi le délire? On nous a quand même demandé qu'on prenne soin de toi. Putain les cons, j'ai une poussée d'adrénaline. En 2 secondes, ils m'ont tout niqué là. Ce que vous allez voir est absolument incroyable. Hey, ça me met la pression, un truc de ouf. Salut. Alors là mon gars, si j'en vois pas du pâté avec ça, je veux dire... Oh je suis chaud là. Bon allez, on va envoyer du lourd alors. Et puis c'est pas fini, hein, parce qu'il me change, moi j'ai mis TFP à ce petit vélo, j'étais content. Et du coup là je vais passer sur un... Alors c'est quoi ce vélo du coup? Ça c'est un Spectral. Spectral de chez Canyon. Là ils font plaisir. Là j'ai envie de te dire, j'ai fait de la route mais je suis pas venu pour rien. Merci les mecs, hein, merci. Putain. Tu donnes tout, hein. Allez Jeff, allez. Oh putain. C'est où? Là. Hop. Oh putain! Vas-y. Où ça? À gauche, tu montes sur la vue et tu descends. Je descends là? Allez, oui. Allez, vas-y, on va pas pousser. Oh merde! Putain! Oh non! C'est pas fini! Allez, remonte sur le vélo, par en face. Il est à gauche toute. Faut lance. Allez, il se le sait là. Ça se monte ça. Allez, on court. C'est où? C'est bon. Oh la panique totale quoi. Bien joué. Oh, t'es parti 2-3 fois jardiner mais ça va. Putain. Ça c'est la mise en jambe. La reconnaissance est importante. Ah, quand je découvre le truc là, ça va en plus. Tu me donnes pas le temps de réfléchir donc j'y vais avec les... Avec la peur quoi, tu vois ce que je veux dire? Oh, putain, ça descend mais c'est physique hein. Ah c'était bien marrant. Ah, le vélo c'est une crème hein, putain. Ouais. Nous sommes en train de vivre une belle crevaison. Bonne chute, hein.
Ah, tu t'es cassé la gueule? Ouais, c'est dans la boîte, il s'est pris. Ah merde, ça va quand même? Ouais, ça a l'air. C'est fini ou pas? Fixé avec Bobot est tombé. Est-ce que mon aide pourrait être utile ou pas? Bah, tu travailles dans un shop ou pas? Est-ce que tu fais un peu de mécanique? Pas encore, pas encore. Ah, Fred. C'est déjà cool. Merci pour le prêt, hein. Mais t'inquiète pas, il y prend soin, comme tu vois. Bon, Fred, il est cassé le vélo. Bon, j'ai l'impression de me retrouver dans un tuto à vous, là, tu sais. Comment dépanner un mec qui s'est craché? Bon, ça va se réparer, tout va bien. Est-ce que le vélo a quelque chose, officiellement? Non, il n'a rien. Et Fred, il a gagné une chambre air. Bon, c'est cadeau, c'est cadeau. Cadeau, Fred. Bon, c'est parti. Avec une petite cuvette. Wow. Ça fait bizarre. Eh hey, mais c'est la première fois que j'ai une sensation comme ça moi là-dedans, là, vous savez pas vous. Le ouh, toi. Je les prends rarement aussi vite. C'est surtout le retour de suspate avec la... Ouais, non, c'est ça, le retour du suspate, ça fait un petit effet ascenseur là, tu vois. Des petits guillis dans le ventre. T'emballes pas. On est arrivé à la deuxième spéciale. Apparemment, il y a une belle marche. La hauteur de la marche? Oh, 50 cm. Tu veux quoi moi, tu veux que j'aille reconnaître 50 cm? Ouais. Quand tu vas arriver dessus, tu vas comprendre. On va reconnaître pour pas la découvrir dans le run. Tu puisses la faire. Parce que si tu arrives sans vitesse, tu la fais pas. Ou tu pars comme ça. T'es la marche est encore ok. Franchement, tu peux la passer. Si c'était. Mais le délire, c'est qu'il faut arriver assez vite pour tomber dans la descente ici, pour faire un atterrissage smooth. Comment ça s'appelle ce que j'ai pas les couilles peut-être. Ouais, toi, il te manque un peu de vitesse, toi. Le mec, il donne un conseil, toi. Le mec, il donne un conseil alors qu'il la fait pas. Hugo, Enduro Bike, va nous faire une démo, hein. Parce que c'est bien beau de faire des tutos, mais à un moment donné, il faut envoyer un peu, quoi. Je suis équipé comme il le faut, comme il se doit. Deuxième spécial. Bon, le thème de la spéciale, c'est Chicken Line, je crois, c'est ça. Allez, c'est parti. Oh, désolé. Je vais mettre un peu de top, quoi. Bon, allez, Jeff, putain. Arrête de faire le pied. Ah oui, la chicken line, elle est là. Oh, sa mère. Non, non, j'ai mis les pieds. Oh là là, c'est où? À gauche, à gauche. T'as intérêt à couper sans montage. Oh, putain. C'est une blague. Non, non, putain. Merde. C'est pas grave. Oh, c'est quoi ça, les gars? Dans la pente. Non, j'y vais pas. Pourquoi? Vous êtes ouf. Ah, j'aurais dû le prendre. Bah ouais, je suis con, putain. Allez, Jeff. Ça continue, hein? Là, ça grimpe. Oh putain! Voilà! Remonte les fêtes, voilà! Ah, ici là! Putain! Oh merde! Oh, c'est mort maintenant! Ah, oh, c'est pas fini! C'est pas fini! C'est pas fini! Non, c'est pas fini! Oh, je suis dégoûté, je me suis chié dessus sur tous les moments fatidiques. Bien joué quand même. Oh merde quoi. Ah, je suis pas très fier. Ah putain, ça emboîte. Si, tu l'as fait. Ouais. C'est bien. C'est bien. 3,46. Oh putain. Oh merde. Hop. Ah, je... hey, honnêtement, bah ton pneu avant est quand même passé très 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 près du précipice. Ah, bon ah vraiment, mais vraiment. Oh, t'aurais fait un petit OTB, c'est pas grave. Moi j'ai pris sur la droite. Sur la gauche.
Non, à droite avant. À droite. Ah, à droite avant. Oui. Ah, mais c'est tout facile. Bon, si vous voyez ça, c'est que vraiment j'étais généreux. Reconnaissance de l'aspect 3. Le sol, il a disparu ici, là, les gars, vous rigolez ou quoi? Bon, voilà, j'y vais pas. Hein. Je vais jeter un caillou, là. Bon, là, on l'a entendu tomber, mais... Bon, c'est beau, hein, mais les gars, costaud, hein, bravo, parce que... Attention à toi! T'as rien à prouver, hein, tu sais! Si t'as peur, c'est pas grave, hein! Tu peux encore retrousser le chemin? Ouais, oh putain, j'ai perdu mes lunettes! Il refait un passage plus propre, parce que là, il estime que c'était un peu dégueulasse. Bon, je partage un peu son avis, hein. Ouais, moi, je faisais ça, mon gars, je lâchais le vélo. Oh, qu'est-ce qu'il y a? La suite, là. Allez, on prend mon courage à deux mains, on y croit, on y va, et on ferme les yeux. Allez, c'est parti. Oh. Oh, ça commence bien. Oh putain! Oh l'arbre! Oh, oh Jeff, putain, oh, la honte! C'est pas grave, je t'entends. Je dis rien, je dis rien. Allez, c'est fini. Ah putain. Oh la panique totale là. C'était la plus technique celle-là. Oh tous les virages. Elle va se recycler. Hein. Jardinier, tu vas faire. Le XC c'est vraiment chouette. Ah, je vais rester au XC moi. La panique totale, tous les virages. Les arbres, les tout droits, j'ai tout fait. Merci. C'est parti tout. Merci pour tout. Retour aux bagnoles. Fred, ton vélo, t'inquiète, il a rien. On remercie parce que le mec, il prête quand même le vélo à XC avec Bobot. À son magasin, il se trouve où son magasin? À Larchant. À Larchant, et ça s'appelle Gab's Workshop. T'inquiète, je suis tombé, mais ton vélo, il a rien. Par contre, moi... Et bim! 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 T'as pas vu ses fesses encore. Merci pour le prêt, en tout cas, c'est cool. Merci, mec. Bon, et nous voilà au ravito final, le meilleur, hein, vous le savez bien. Tiens, fais ta petite moue, Jeff. Allez, à la chaîne. Merci les gars. Merci pour tout. Voilà, comment veux-tu pas passer une bonne matinée comme ça? Ah oui, bon, abonnez-vous à mes réseaux sociaux. Maintenant j'ai Instagram, je mets des photos, et j'ai un Facebook, et c'est à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Parce que je le vois dans mes stats que tu regardes pas. Arrête de couper les vidéos au bout de 2 minutes. Est-ce que je laisserai ça? Je sais non, pas, je vais bien. Pas ça, t'es ouf. Ça veut dire que t'as apprécié, si t'as apprécié, abonne-toi, je te remercie. VTTX avec Bobot, vous aimez mes vidéos, vous aimez les siennes, ok? Donc abonnez-vous pareil. Endurobike, vous avez le lien dans la description aussi, le logo c'est celui-ci là, t'es en train de le voir, il est super joli, il est bleu, il y a des montagnes. Et c'est pas mal ton petit jeu de mots. En-D-H-Uro avec un... Enfin c'est voulu je pense, le DH en gros. Oui. Pour Dom Hill. Oui, c'est ça. Mais j'ai vu ça. Eh, est-ce que beaucoup l'ont vu ça? Ouais. Ah merde. Ok. Bon. Félicitations. T'es sérieux? Meilleur freineur. Meilleur freineur? Ouais. Ah le bâtard. Tu sais quoi ça, je coupe au montage. Les plaquettes elles sont cramées. Mais super classe en tout cas. Et les gars, merci. Je vais la garder toute ma vie. Si tu freines, t'es un lâche. Bah, j'ai beaucoup freiné. Ah c'est bon ça. Pas tant que ça. Hey. On va y arriver. Hey. En fait, dans la bière, il y a un truc qui va pas. Hey, c'est ça. Mais il met des trucs, le brasseur, je sais pas, ça fait pas 4-6. Ou alors le houblon, c'est du shit, je sais pas, c'est bizarre. C'est la même famille, hein. Et il nous a fait sentir son houblon, putain. Tu... Oh putain, au cul. Comment ça sent la bœuf. Au revoir.